C'était sans aucun doute l'image la plus forte des funérailles du prince Philippe. Samedi 17 avril 2021, pour la première fois depuis un an, les princes William et Harry ont été vus ensemble. Alors que les tensions entre les frères ne font aucun doute après l'interview explosive donnée par Meghan Markle et le prince Harry à Oprah Winfrey, le duc de Cambridge aurait tenté de mettre ses rancœurs de côté le temps des funérailles de leur grand-père. Si Harry et William n'ont pas marché côte à côte dans le cortège suivant le corps du prince Philippe et étaient assis à bonne distance lors de la cérémonie, à la sortie de celle-ci, ils ont pris le temps d'échanger longuement que tous les deux. Si les caméras du monde entier étaient présentes pour immortaliser le moment, les micros, eux, étaient bien absents. Un expert de la lecture labiale a pourtant tenté d'identifier le contenu de leur conversation, comme le rapporte Mirror. Pendant qu'ils marchaient tous les deux pour rejoindre le château de Windsor, ils auraient simplement commenté les obsèques de leur grand-père. Après avoir ôté son masque, le duc de Cambridge lui aurait dit « Un service absolument magnifique, ah, la musique !» Avant de lui demander « C'était génial, n'est-ce pas ?» Ce à quoi son petit frère aurait répondu « C'était comme il, note de la rédaction, le prince Philippe, le voulait !» Les princes Harry et William semblaient être très à l'aise une fois leurs mouvements de bouche analysés, l'experte Adrienne Carter a également observé leur langage corporel. Selon elle, il ne fait aucun doute que les deux hommes semblaient être très à l'aise et ne montraient aucun signe d'anxiété. Alors qu'il semblerait que ce soit Kate Middleton qui ait fait le premier pas pour permettre aux deux frères de briser la glace, le prince William a également ralenti son pas afin que son frère puisse les rejoindre et rejoindre ensemble le château.